Bonjour, chers élèves. Dans cette séance, nous allons présenter le premier cours du thème mesure d'une quantité de matière, à savoir la détermination d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction chimique. Ce cours, présenté par moi, Lotfi Labid, est destiné aux élèves de la quatrième année section sciences de l'informatique et encadré par l'inspecteur général des sciences physiques, M. Ali Nouiri. Signalons tout d'abord que la mesure d'une quantité de matière est d'importance capitale dans l'industrie, dans les laboratoires et même dans la vie courante. La fabrication d'un médicament, par exemple, nécessite un mélange de quantités de matière de réactifs bien précises. Ou aussi, une bouteille d'eau minérale présente une étiquette sur laquelle figure la concentration et la masse de quelques sels minéraux que contient cette bouteille. Vous regardez bien cette étiquette. Elle porte des indications qui nous informent en tant que consommateurs et peuvent aussi servir à contrôler et à surveiller la qualité du produit que contient la bouteille. La question qui se pose maintenant est comment mesurer une quantité de matière? La réponse est d'utiliser deux procédés, soit un procédé chimique basé sur l'étude d'une réaction chimique, soit un procédé physique à partir de la mesure d'une grandeur physique. Cette séance s'intéresse essentiellement aux procédés chimiques et a pour objectif la détermination d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction chimique. Pour ce faire, nous allons commencer par une étude qualitative de la réaction entre un acide fort et une base forte. Ensuite, nous allons procéder à la mesure d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction d'un acide fort avec une base forte. Et nous terminerons par une évaluation qui porte sur ce chapitre. Commençons par la première partie et intéressons-nous à écrire l'équation de la réaction entre un acide fort et une base forte et citer les caractères de cette réaction. Rappelons tout d'abord qu'un acide est fort si sa réaction avec l'eau est totale. Exemple, le chlorure d'hydrogène de formule chimique HCl, son équation de réaction d'ionisation dans l'eau s'écrit HCl plus H2O donne des ions hydronium H3O plus plus des ions chlorure Cl-. La solution obtenue est appelée solution aqueuse de chlorure d'hydrogène ou aussi solution d'acide chlorhydrique. Une base est forte si sa réaction avec l'eau est totale. Exemple, l'hydroxyde de sodium NaOH. Son équation de réaction d'ionisation s'écrit NaOH solide donne des ions aqueux Na plus OH moins. Des ions aqueux, c'est-à-dire ils sont entourés par des molécules d'eau.
La solution obtenue est appelée solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ou aussi une solution de soude. Étudions maintenant qualitativement la réaction d'une solution d'acide chlorhydrique (HCl) avec une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH). La réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium est totale et rapide et d'équation chimique. H3O plus Cl- provenant de l'ionisation de HCl dans l'eau, plus Na plus OH- provenant de la dissociation ionique de la soude NaOH dans l'eau, donne 2H2O plus Na plus Cl-. Voyons bien que les ions Cl- et Na+ figurent parmi les réactifs, aussitôt parmi les produits. Ce sont des ions spectateurs, c'est-à-dire ne réagissent pas et ne participent pas à dans cette réaction. Donc, cette équation peut être simplifiée en écrivant H3O plus OH- donne 2H2O. Voyons bien que cette réaction est spécifique des ions H3O plus et des ions OH-. Dans cette partie, on a vu donc que la réaction entre les ions hydronium H3O+ et les ions hydroxyde OH-, souvent appelée réaction de neutralisation de l'acide par la base ou de la base par l'acide, donc elle possède les caractères suivants. Elle est rapide, totale et spécifique des ions hydronium H3O+ et des ions hydroxyde OH-. Passons maintenant à la deuxième partie et on va procéder à la mesure d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction entre un acide fort et une base forte. Pour cela, nous allons nous intéresser à un dosage d'un acide par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dosage acide-base? Le dosage d'une solution d'acide par une solution de base de concentration molaire CB connue consiste à déterminer la concentration molaire CA inconnue de l'acide ou réciproquement. Passons au mode opératoire et la réalisation du montage. Commençons par le mode opératoire. Soit à doser un certain volume VA d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue par une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration CB connue. Pour cela, on dispose d'un flacon contenant une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de concentration molaire CA inconnue. Dans un bécher propre et sec, on verse un certain volume de cette solution. Puis, à l'aide d'une pipette munie d'une propipette, on prélève un volume VA du contenu du bécher précédent. Comme vous voyez, donc on introduit le volume VA déjà prélevé dans un autre bécher propre et sec.
au volume VA déjà prélevé, on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol BBT. Je rappelle que le bleu de bromothymol est un indicateur coloré qui donne une couleur jaune en milieu acide, une coloration bleue en milieu basique et une couleur verte en milieu neutre. Vous voyez bien, au départ, donc, on a un acide, une solution d'acide. Donc, avec le BBT, on a la coloration jaune. On remplit maintenant une burette graduée avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration CB connue. On rassemble maintenant tout ce matériel et on aura le dispositif de dosage suivant. Donc, ce dispositif il est formé par un support pour la fixation de notre matériel, une burette graduée dans laquelle on a la solution aqueuse de RAOH, un bécher dans lequel on a la solution de ACL avec quelques gouttes de bleu de bromothymol. Dans le bécher, on a introduit un barreau aimanté qui va homogénéiser le mélange. Le bécher est placé sur un agitateur magnétique. Et ici, on a un pH mètre. Donc on passe à la réalisation du dosage. Comme vous voyez, on va verser progressivement la solution de NaOH. Le mélange au débit est jaune. Puis, après un certain volume de base ajouté, qu'on va l'appeler VBE, le volume ou bien le mélange devient vert et le pH devient égal à 7. On parle ici de l'équivalence acido-basique qu'on va la définir après. Une goutte supplémentaire de base rend le milieu bleu et on a un pH supérieur à 7. Essayons maintenant d'interpréter ce qui s'est passé lors de ce dosage. Les ions hydronium H3O+ provenant de la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène réagissent avec les ions OH- apportés par la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium selon la réaction du dosage rapide et total d'équation chimique suivante. H3O+, plus OH- donne 2H2O. On peut distinguer, au cours de ce dosage, trois états du mélange réactionnel. Tout d'abord, pour un volume VB versé inférieur à VBE, qui est le volume de la base ajoutée à l'équivalence, le nombre de moles de OH- versé est inférieur au nombre de moles de H3O+, initialement présent dans le bécher. Le milieu est donc acide. Le BBT donc, est jaune et qui donne la coloration jaune au mélange. Le pH, dans ce cas, est inférieur à 7 à 25 degrés Celsius. Lorsque VB est maintenant égal à VBE, le nombre de moles de OH- versé est égal au nombre de moles de H3O+ initial. Le milieu maintenant est neutre et le BBT donc, il est vert. Le pH dans ce cas est égal à 7 et on parle de l'équivalence acido-basique. Troisième état, lorsque le volume de la base versée est supérieur au volume de la base ajoutée à l'équivalence, le nombre de moles de OH- versé est supérieur au nombre de moles de H3O+ initial. Le milieu donc est basique, le mélange est de couleur bleue et le pH est supérieur à 7
évidemment à 25 degrés Celsius. Quelle est l'importance de l'équivalence acido-basique dans un dosage? Pour répondre à cette question, commençons par la définition de l'équivalence acido-basique. L'équivalence acido-basique est obtenue dans le cas où la quantité d'ion H3O+ provenant de l'acide est égale à celle d'ion hydroxyde OH- provenant de la base. Donc, l'équivalence acido-basique est l'état du système obtenu lorsque les ions hydronium H3O+ et les ions hydroxyde OH- sont mélangés dans les proportions stoichiométriques. Et on peut écrire alors le nombre de moles des ions H3O+ provenant de l'acide est égal au nombre de moles des ions OH- provenant de la base à l'équivalence. Or, le nombre de moles de H3O+ est égal au nombre de moles, or nombre de moles de H3O+ provenant de l'acide est égal au nombre de moles de l'acide, puisque une mole d'acide ACl est égale ou bien donne une mole de H3O+. Et ça, c'est égal à CA, la concentration de l'acide, multipliée par le volume de l'acide. Le nombre de moles d'OH- maintenant, provenant de la base, est égal, bien, de la base à l'équivalence, c'est égal au nombre de moles de la base ajoutée à l'équivalence, ou qui est égal à CB, multiplié par le volume de la base ajoutée à l'équivalence. Donc, et puisque le nombre de moles de H3O+ de l'acide égale le nombre de moles de H- de la base, donc on peut écrire CA fois VA est égal à CB multiplié par VBE. On peut tirer donc la concentration de l'acide qui est inconnue, elle est égale le produit CB VBE divisé par le volume de l'acide VA. Évidemment, connaissant maintenant la concentration de l'acide, on peut déterminer le nombre de moles de l'acide, ou bien la quantité de matière de l'acide qui est égale à CA fois VA, puisqu'ils sont tous connus maintenant. On peut aussi déterminer la quantité de matière de base ajoutée à l'équivalence, qui est égale à CB fois VBE. Récapitulons maintenant et disons que la réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction rapide, totale et spécifique des ions hydronium H3O+ et des ions hydroxyde OH- dont l'équation chimique simplifiée est H3O+ plus OH- donne 2H2O. On a vu aussi qu'on peut déterminer une quantité de matière d'un acide ou d'une base par une étude quantitative d'une réaction chimique entre un acide fort et une base forte par application d'un dosage acido-basique. Passons maintenant à une petite évaluation qui porte sur ce cours.
et commençons par lire l'énoncé. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves dispose à 25 degrés Celsius de deux solutions SA et SB et du bleu de bromothymol BBT. SA est une solution aqueuse d'acide nitrique HNO3, c'est un acide fort, de concentration molaire Ca égale à 10-2 mol fois litre moins 1. SB est une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium KOH qui est une base forte, de concentration molaire Cb inconnue. Le groupe d'élèves s'intéresse à la détermination de la concentration Cb par recours à un dosage acido-basique d'un volume Vb égal à 10 ml de la solution SB par la solution SA en présence de quelques gouttes de bleu de bromothymol. Premièrement, complétez la notation du schéma du dispositif suivant. Deuxième question, petit a, quel est le rôle joué par le BBT dans ce dosage? Petit b, précisez la couleur prise par le BBT dans le mélange à l'équivalence acido-basique. Troisième question, écrire l'équation de la réaction du dosage et préciser ses caractères. Quatrième question, l'équivalence est atteinte pour un volume d'acide versé VAE égale à 15 ml. Petit a, déterminer la concentration molaire CB. Petit b, préciser le pH du mélange obtenu. Et c, on évapore à sec ce mélange, donner la formule du résidu solide obtenu et déterminer sa masse. On donne les masses molaires atomiques suivantes. La masse molaire de l'azote est égale à 14 g mol moins 1, la masse molaire d'oxygène égale à 16 g mol moins 1 et la masse molaire du potassium égale à 39 g fois mol moins 1. Cinquième question. Dans un bécher, l'un des élèves a mélangé V'A égale à 10 ml de la solution SA avec V'B égale à 20 ml de la solution SB et quelques gouttes de BBT. La question A, calculer les quantités de matière initiale des réactifs. En déduire si le mélange obtenu est acide, basique ou neutre. Petit b, quelle est alors la couleur prise par ce mélange? Passons à la solution et commençons par répondre à la première question. Donc, ici on a le dispositif de dosage. Donc, la première ou bien cette verrerie est appelée burette graduée. Dans cette burette, on va introduire une solution aqueuse de HNO3, l'acide nitrique. Ça, c'est un bécher dans lequel on va introduire une solution aqueuse de KOH avec quelques gouttes de BBT. La deuxième question était quel est le rôle joué par le BBT dans ce dosage? Le BBT joue le rôle d'indicateur coloré. Il permet de repérer, de connaître, de détecter l'équivalence acido-basique. Préciser la couleur prise par le BBT dans le mélange à l'équivalence acido-basique. À l'équivalence acido-basique et en présence du bleu de bromothymol, la solution prend une couleur verte. Troisième question. Écrire l'équation de la réaction du dosage et préciser ses caractères. Donc, l'équation de la réaction de dosage est K plus OH moins plus H3O plus NO3 moins donne, donc les ions OH- et les ions H3O+, vont donner 2H2O plus K
K plus NO3 moins. Comme vous voyez, les ions K plus et les ions NO3 moins sont des ions spectateurs ou bien des ions inertes. Donc, cette équation peut être simplifiée en écrivant donc, OH moins plus H3O plus donne 2H2O. Les ions K plus et NO3 moins sont des ions spectateurs. Cette réaction est rapide, totale et spécifique des ions OH- et des ions H3O+. La question 4 maintenant. Donc, l'équivalence est atteinte pour un volume d'acide versé VAE égale à 15 ml. Petit a, déterminer la concentration molaire CB. Donc, à l'équivalence, les réactifs OH- et H3O+ sont dans les proportions stoichiométriques. On peut écrire alors le nombre de moles de OH- est égal au nombre de moles de H3O+ versé à l'équivalence. Ce qui nous donne la concentration CB fois VB est égale à la concentration de l'acide CA multipliée par le volume de l'acide ajouté à l'équivalence. On peut maintenant tirer la concentration CB qui est égale à CA fois VAE sur VB. Ça, c'est égal à la concentration CA est égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1, multiplié par VAE qui est égal à 15 millilitres, donc 15, 10 moins 3 litres, sur VB qui est égal à 10, 10 moins 3 litres. Donc, c'est égal à 1,5 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc, ça, c'est la concentration CB de la solution KOH qui était inconnue. Précisez maintenant le pH du mélange obtenu. À l'équivalence, le mélange obtenu est neutre, donc le pH est égal à 7. La question C. On évapore à sec ce mélange, donner la formule du résidu solide obtenu et déterminer sa masse. Après évaporation totale de l'eau, on obtient un composé ionique K plus plus NO3 moins, deux formules chimiques, KNO3 et C, le nitrate de potassium. Cherchons maintenant la masse du résidu obtenu. On a la masse de KNO3, c'est égal au nombre de moles de KNO3 multiplié par la masse molaire de KNO3. Or, le nombre de moles de KNO3 est égal le nombre de moles réagis de KOH, qui est égal aussi le nombre de moles réagis de HNO3, qui est égal à CAVA, ou à l'équivalent CAVA, c'est égal à CB fois VB. Ainsi, la masse de KNO3 est égale à CA fois VA, fois la masse molaire du potassium, plus la masse molaire de l'azote, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Tout ça, c'est la masse molaire de KNO3. Donc, ce qui donne 10 moins 2, multiplié par 15, 10 moins 3, multiplié par 39 plus 14 plus 3 fois 16, et ce qui donne une masse de 1,515, 10 moins 2 grammes. La cinquième question.
Donc, l'un des élèves a mélangé un volume V'A égal à 10 millilitres de SA et un volume V'B égal à 20 millilitres de la solution SB et quelques gouttes de bleu de bromoéthanol. Calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Donc, en déduire si le mélange obtenu est acide, basique ou neutre. Donc, commençons par déterminer la quantité de matière initiale de HNO3, où ça c'est égal à CA fois V'A, qui est égal à CA est égal à 10 à la puissance moins 2, multiplié par V'A, qui est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 3, où ça c'est égal à 10 à la puissance moins 4 mol. Cherchons maintenant la quantité initiale de KOH. Elle est égale à CB multiplié par le volume V'B, égale à CB qui est égal à 1,5 10 à la puissance moins 2, fois le volume V'B qui est égal à 20 millilitres, donc c'est égal à 20 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est égal à 3 10 à la puissance moins 4 mol. Voilà. Comme vous voyez, la quantité de matière initiale de KOH est supérieure à celle de HNO3, alors le mélange obtenu est basique. Quelle est alors la couleur prise par ce mélange? Le mélange obtenu est basique, alors en présence du BBT, il prend une couleur bleu. Voilà, donc nous aboutissons à la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivi et au revoir.